Good morgen, allez, Iden, nous sommes aujourd'hui le Nishmat Moré Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin ben Mazal, Amram Yona ben Chana, ainsi que l'Irfuat Sarah, Bat Beti Rivka, Rifelzoun ben Chemania, Myriam Bat Rasida, Edov ben Yudit, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous débutons aujourd'hui le 6e Pereg de Maseret Choulin, Pereg Vav Mishnah Aleph. Kisui Hadam Noheg Ba'aretz ou Bechutzala Aretz, Bifne Abait Veshelo Bifne Abait. בחולין אבל לא במוקדשים נוהג בחיה ובעוף במזומן ובשאינו מזומן ונוהג בקוי מפני שהוא ספק ואין שוחטין אותו ביום טוב ואם שחטו אין מחסין את דמו. Pour ce chapitre, on débute un nouveau sujet qui est la mitzvah de kisui adam. J'ai ouvert le pasouk là tout de suite dans Chumash Vayikra par Parashat Achremot. Dans Perek Yudzaïn, il y a marqué là-bas, au parti d'où on va le prendre, excusez-moi, il y a marqué, il y avait Ve'ish Ishim, je commence à partir du Pesuk Yud, très rapidement, il y a une petite série de psukim qui interdit de prendre le sang, boire le sang des animaux. Ouais, c'est pour ça qu'on fait la cristallisation de la viande, pour extraire totalement avec le sel, pour extraire totalement le sel qui est le sang. Qui est contenu à l'intérieur de la viande, on en reparlera plus tard dans Cholin. D'accord ? Donc à partir du Pasuk Yud, la Torah nous impose, elle nous dit attention, vous ne prendrez pas de sang. Ouais ? Hachem, il y a un chiouf karet pour celui qui va boire du sang d'un animal. Pour quelle raison ? La Torah précise la raison. Ki nefesh habasar badamhi, parce que le sang, c'est celui qui supporte la vie de l'homme ou de l'être humain de manière générale, de l'être vivant. D'accord ? Et donc, la Torah, quelque part, elle va nous dire « Ki nefesh habasar badam hi, vani netativ lachem ala misbeach, lechaper nafshotechem, kadam ou banefesh yechaper. » Et comme ça, ainsi de suite, il y a deux raisons un petit peu, ça joue un petit peu sur les notions un peu délicates, mais en tout cas, le sang représente la vie. La Torah nous a permis de manger la chair de l'animal, mais pas de boire son sang. Pas de comprendre la vie de l'animal. Il y a même des raisons un peu plus profondes, qui sont intéressantes, qui sont apportées dans le Sefer Chinour. Concrètement, on retient la notion, la Torah nous a permis de manger la chair, le côté plus matériel de l'animal, mais sûrement pas le côté plus un peu spirituel, si on peut dire, le côté plus la vitalité de l'animal, d'accord ? Donc, nous, la raison de ne pas consommer le sang, d'autant plus que, le passage nous précise, le sang, je t'ai demandé de l'asperger sur le misbéach. Voilà une précision. D'où l'originalité qu'il va y avoir. J'insiste ça, parce que ça va nous permettre de comprendre la mise originale du Kisou Yadam. Al-Kan Amartil Ibn Israël, Kol Nevesh Mikem Notochal Dam, Bagir Agar Betochem Lo Yochal Dam, interdit de consommer le sang, ok ? Et le pasuk Yud Gimel dans le Perek Yud Zaini continue en disant Ve'ish ish mi bnei Israël omina ger agar betocham asher yatsud tzed chaya o of asher yachel v'shafach et damo v'chisaou be'afar. Voilà où je voulais en venir. Et un homme du peuple d'Israël ou de ceux qui se convertissent au peuple d'Israël qui va chasser un gibier asher yatsud tzed chaya o of, et qui va chasser du gibier, qu'il s'agisse d'une chaya ou d'un off. Chaya, c'est un animal non domestique, et off, c'est un oiseau, parmi les oiseaux qui sont permis, asher yachel, donc qu'on peut consommer, veshafach et damo vechisaou be'afar, il lui versera son sang, et il le recouvrira par de la terre. Et le passage continue en disant, qu'il ne fèche kol basar damo benafshohu, car la vitalité de tout être de chair, alors d'amo benafshou, son nefesh, sa vitalité, elle se trouve dans le sang. Et Hachem, il nous a dit, « Vomar l'ivne Israël, dam kol basar l'otro chelou, nefesh kol basar damo ou damori, kol ochla vikaret, de nouveau un yisur karet. » Succinctement, ce qui m'intéresse, c'est que, d'abord, premièrement, on a constaté qu'en fait, la Torah nous a parlé de deux choses. Il y a les behemot et les chayot et ofot. Les behemoths, c'est les animaux domestiques, qui incluent en fait trois espèces. Parmi les animaux, les behemoths kshirot, la famille des taureaux, vaches, la famille des moutons béliers, et la famille des chèvres, des boucs. Ok ? C'est ces trois animaux permis. Parmi ces trois espèces-là, on apporte des korbanot au Beth Amikdash.
et leur sang, on l'asperge sur le misbère. Et la Torah nous a dit, vous ne consommerez pas le sang, et le sang, vous l'aspergerez sur le misbère. Pour les chayot et behemot, c'est-à-dire pour les animaux non domestiqués, domestiques, les cerfs, même la girafe, elle est aussi dans le lot, d'accord, parmi les animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent, mais que malgré tout, ils sont non domestiqués, domesticables. Eh bien, on peut les dompter, mais on ne peut pas les domestiquer. On ne peut pas, apparemment, j'imagine vous pouvez avoir un cerf à la maison pendant des années, vous le tenez bien, vous allez ouvrir la porte, il va se faire la malle, il n'a pas d'intérêt à vivre avec vous, il ne vous aime pas. D'accord ? C'est ça une chaya. Alors, la Torah nous a dit, cette fois-ci, lorsque vous les égorgerez, eh bien, vous avez aussi l'interdit de consommer le sang, bien sûr, et dans ce cas-là, vous devrez recouvrir le sang avec de la terre. D'où la mitzvah particulière de la mitzvah du Kisui Adam, recouvrir le sang. Lorsque, si vous avez l'occasion de voir comment on fait les caparotes, par exemple, on égorge des poulets, après une fois qu'on a fini de faire la shrita, on prend de la terre, et on fait la bracha de la shrita al-mitzvah Kisui Adam, je pense, ou Kisui Adam, je ne sais pas, et on recouvre le sang qu'on a versé par terre, d'accord? Donc on a maintenant, c'est ce que la Mishnah commence à renseigner, elle va me le dire après en fait, c'est pas tout de suite, elle va me le dire, Venoek Bachaya Obaouf, dans les animaux non domestiqués, domesticables, et dans les poulets, dans les volailles, de manière générale, toutes les volailles. Et en fait, si vous voulez comprendre un petit peu la raison pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction, alors vous avez le Sefer Chinuch et le Kli Yakar, justement, dans le pasouk qu'on a expliqué. Il propose, c'est un peu nuancé, mais c'est le même principe un petit peu. Quelque part, puisqu'on la Torah nous interdit de consommer le sang, alors la Torah elle a bien voulu nous montrer que le sang, c'est très grave. Le sang, il doit pas se retrouver dans notre cuisine pour qu'on le boive. Donc, de ce fait, pour les animaux que tu vas offrir des corbanotes, avec leur sang de manière générale, donc chez toi, c'est bien clair, tu vas pas prendre le sang, parce que ce sang-là, on l'asperge au misbéar, c'est la part d'Hachem, on va pas se permettre de prendre la part d'Hachem. Tandis que les chayotes et les ophotes, les animaux non domestiqués et la plupart des volailles que tu ne peux pas faire de korban parmi eux, à l'exception des taurim ou des yona, mais de manière générale tu ne peux pas faire de korban, alors la Torah nous a dit, ben eux, il faut que tu fasses tu vas distinguer leur sang pour bien matérialiser le fait que tu n'as pas le droit de le boire en le recouvrant avec de la terre, d'accord? Voilà pour l'introduction de la mitzvah de Kisui Adam qu'on va voir durant tout le long du Perek. Maintenant, on commence à traduire tout de suite. Kisui Adam noheg ba'aretz ou bechutz al-aretz. La mitzvah de recouvrir le sang, elle est imposée ba'aretz, qu'il s'agisse qu'on soit en Eretz Israël ou bechutz al-aretz, ou même que l'on soit en chutz al-aretz. Il n'y a aucune différence. Bifna ba'aretz, si vous faites attention, on va avoir plein de sujets qu'on va voir. On va, dans le prochain Mishnah, qu'on a déjà commencé depuis la Mishnah, depuis le Perek. Le périple précédent, on le verra, on va prendre plusieurs mitzvahs de la Torah, on va te dire cette mitzvah, tu dois la faire baaretz ou chutz al-aretz, bifna bayit, vechalou bifna bayit. À l'époque, il y avait le Beit HaMikdash, et même lorsqu'il n'y a plus de Beit HaMikdash, tu peux continuer à faire cette mitzvah. C'est normal, parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas de la terre, c'est une mitzvah qui est imposée à chaque homme, ouais, et donc de ce fait, on doit toujours l'accomplir à toute époque. Bachulin avalo babugdashin. On la retrouve uniquement dans la consommation profane des volailles, pour notre propre consommation personnelle, avec le bamoudachin, mais évidemment pas dans les korbanotes, c'est-à-dire dans les korbanotes. Il ne s'agit pas des behemotes, des animaux domestiqués, qui sont donc les taureaux, chors, et keves, et izim, ouais, les taureaux, les moutons, parce que ça c'est évident, tu dois asperger le sang sur le misbéar, et que tu n'es de toute façon pas imposé de faire la misat kisui adam. Mais on a eu besoin d'enseigner ça, que je ne ferai pas dans les Moudachin, par rapport aux fautes. On a dit les taurim et les benayuna, les tourelles et les petits pigeons, que dans ce cas-là, tu aurais pu croire que tu as une mitzvah de recouvrir le sang. Alors la Mishnah t'enseigne que non. Ensuite, Venoeg, Bachaya ou Baof. Maintenant, la mitzvah de Kisui Adam, elle est en vigueur dans les chayot, dans les animaux non domestiqués, domesticables, et dans les volailles. Bah, Mezuman ou Beche'eno Mezuman. Dans ce que tu as à portée de main, ouais, c'est des amines, c'est présent, ou ce qui n'est pas présent, c'est-à-dire, la Mishnah a eu besoin de me préciser cela, parce que, comme on a vu dans le pasouk, lorsque tu chasseras un gibier de Chaya, on ne peut plus croire, que c'est que si je chasse
Mais si toutefois j'ai en cage déjà des. Ouais, j'ai un enclos où je détiens de toute façon des cerfs, alors je peux croire que j'aurais pu les manger 100 fois la cuisson, puisqu'il y a marqué cette fois-ci je ne chasse plus. Voilà. Donc la Mishnah est venue m'enseigner, non, il n'y a aucune différence. En l'état, il n'y a aucune différence. Pourquoi la Torah a dit quand tu chasseras dans ce cas-là? Pour t'apprendre qu'il ne faut pas manger de la viande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais juste de temps en temps, comme lorsqu'on chasse, des fois il y a, des fois il n'y a pas. D'accord? C'est expliqué dans le Tosafot. Ensuite, deuxième sujet de la Mishnah. C'est un peu délicat, parce qu'il va falloir que je fasse encore une autre introduction, mais c'est pas grave. On va le faire. D'abord, je traduis. Et après, on explique la raison profonde. D'abord, il y a un animal, il faut savoir, on a distingué les behemoth et les chayot. Les animaux domesticables et les animaux non domesticables. D'accord? Les animaux sauvages, en l'occurrence. Il y a maintenant un animal qui se trouve entre les deux, que les Chachamim n'ont pas su trancher. Est-ce qu'il appartient à la famille des behemoth ou à la famille des chayot? Ça s'appelle le koy ou le kvi. En général, les Sfaradim ont l'usage de dire kvi et les Ashkenazes ont plus l'usage de dire koy, mais je ne sais pas exactement si c'est défini. À notre époque, la plupart des gens avec qui je parle, ils disent toujours kvi. Donc on reste sur le kvi, même s'il y a écrit avec le Nikoud, il y a marqué koy. En tout cas, donc cet animal, le kvi, alors le kvi, il est entre les deux. Rabbi n'ont pas su définir est-ce que c'est un animal domesticable ou non. Donc, première différence, mais est-ce qu'il faut recouvrir le sang? D'accord? Il y en a une deuxième différence par rapport aux graisses interdites qu'on va expliquer après avoir lu la Mishnah. Donc, Venoheg Bakoy ou Bakvi, on a l'usage de le faire dans ce koy. À propos, il y a le Tiferet Israël qui rapporte deux options en fait. Il y a ça rapporté même dans le Bar Tanora, mais ce n'est pas dit avec les noms. Alors que dans le Tiferet Israël, c'est dit c'est Habifel, le buffle. D'accord? Le buffalo, le buffle. C'est une sorte de taureau un peu sauvage. Ça, c'est un premier avis. Un deuxième avis qui dit qu'en fait, non, il s'agit en fait d'un croisement entre une chèvre et je sais plus qui, une chèvre et une cerf, enfin, je sais pas comment ça se dit, une gazelle plutôt. C'est un croisement en fait, c'est une autre sorte de croisement. C'est une discussion. Qu'est-ce que c'est exactement? D'accord? En tout cas, on lit. Donc, lorsque tu l'égorges, il est cachère. Mais tu dois le faire là. Mitzvat kisui adam. Mi pene shehu safek. Parce que tu as un doute de lui. Mais justement, parce que tu as un doute sur lui, il va avoir une halakha particulière lorsque tu vas l'égorger pendant Yom Tov. Et il va falloir faire plusieurs introductions. D'abord, je traduis. Ven shochatin oto bi Yom Tov. Donc, tu ne pourras pas l'égorger à Yom Tov. Ve'im shechato. Et si toutefois tu l'as égorgé à Yom Tov, tu le fais la shrita, eh bien, en mechassinet de mots, dans le doute, tu ne recouvriras pas son sang. Et alors là, il va falloir expliquer un petit peu mieux. On a dit une première différence entre les behemoth et les chayot, entre les animaux domesticables et non, domesticables et les animaux sauvages. Première différence, c'est est-ce qu'on a le droit de consommer, est-ce qu'il faut recouvrir le sang? Mais il y a aussi une deuxième différence, c'est par rapport aux graisses interdites. Il y a toutes sortes de graisses interdites dans l'animal qui sont pour les animaux domestiques, donc pour les taureaux, vaches, moutons, chèvres. Il y a des graisses que, en théorie, si tu en fais un corban, tu dois prendre ces graisses et les offrir au Beth Amikdash. La Torah l'interdit à tout juif de consommer ces graisses interdites. D'accord? C'est ce qu'on appelle le khelev qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. C'est le khelev. Dans les animaux sauvages, on a le droit de consommer même son khelev. C'est permis. D'accord? Il y a une raison, puisque ce n'est plus la part que tu dois en théorie offrir au Beth Amikdash. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas d'interdit, on n'a aucune raison de te le permettre à la consommation. Ok? Ça, c'est une première différence. Maintenant. Deuxième introduction maintenant. Donc, dans le koï, puisque je ne sais pas est-ce que c'est un animal domesticable ou non, je n'aurai pas le droit de consommer sa graisse, dans le doute. On met ça de côté. Et maintenant, on va passer au Hilchot Yom Tov. Lorsqu'on égorge à Yom Tov, alors on a un grand problème. Parce que recouvrir le sang, très rapidement, recouvrir le sang à Yom Tov, c'est un problème, parce qu'on te demande de prendre de la terre et de l'effriter. La terre, c'est moukté. Tu vas le prendre, tu vas creuser par terre. Tu te prends un Saint-Douzame, interdit. Tu vas effriter la terre, tu vas transgresser l'interdit de Tochen. Donc en théorie, on n'a pas le droit d'égorger à Yom Tov. Sauf toutefois, donc tout, on n'a pas le droit d'égorger à Yom Tov, plutôt un animal que tu vas faire le Kisui Adam, qui sont en l'occurrence les volailles ou les animaux non domestiques, les animaux sauvages. Ça, c'est en théorie. Mais il y a quand même une exception à la règle, c'est si tu as de la terre prête. Tu as déjà pris une de la terre qui est déjà effritée, qui se trouve dans un kli, elle n'a plus un statut de. Tu ne transgresses plus l'interdit lorsque tu vas la. Tu vas tu vas la disperser, recouvrir le sang avec. Il n'y a plus d'interdit cette fois-ci avec.
Donc, c'est pour ça que tu as le droit d'égorger à Yom Tov un poulet si tu as de la terre prête. Pour le koï spécialement, on va t'interdire de recouvrir le sang et on va même, a priori, t'interdire dans toutes ces circonstances d'égorger le koï. Pour quelle raison? De peur que quelqu'un il va voir que, oh, à Yom Tov, tu recouvres le sang. Ça veut dire que finalement, c'est tellement important de recouvrir le sang du koï. Donc, je déduis que le koï, c'est un animal sauvage. Si c'est un animal sauvage, il va se permettre ensuite de consommer sa graisse interdite. Or, en réalité, tu as un doute, et parce que tu as un doute, tu recouvres le sang, certes, mais si tu vas te mettre à recouvrir le sang, on va t'interdire de recouvrir le sang pendant Yom Tov, de manière à ce que les gens vont bien comprendre que lorsqu'on recouvre le sang du koï, ce n'est que parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais sûrement pas parce que c'est certainement un animal sauvage, de ce fait, on ne va plus consommer la graisse interdite. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de slachah, kol tov, salam.